Dans ce cybercafé, des jeunes sont concentrés. Ils sont à la recherche d'un modèle à imprimer en 3D. Wood Maxon semble avoir trouvé. C'est une voiture et que je fais la recherche. Bon, j'ai trouvé celle-ci, ça me plaît. Ces adolescents, à l'image de tous les utilisateurs fréquentant les lieux, sont venus pour les deux imprimantes en trois dimensions. D'un coût de plusieurs milliers d'euros, elles sont accessibles à tous au sein du premier Fab Lab solidaire de Guyane. Le Fab Lab solidaire, c'est un lieu de fabrication numérique où tout un chacun, dans le cadre d'un projet ou même d'une initiative propre à elle-même, est en mesure de fabriquer un matériel à partir donc, d'une imprimante 3D par exemple et de matérialiser son projet, son idée. L'accès à la structure est donc ouvert à tous. Le tout est d'avoir des idées et vouloir les concrétiser. C'est tout l'intérêt de ce laboratoire de fabrication qui, pour certains, pourrait être le départ de l'aventure de leur vie. Un demandeur d'emploi peut effectivement avoir une envie ou pour projet d'entreprendre et il sera en mesure, effectivement, dans le cadre de la production d'un produit, par la suite, donc le concevoir sur l'ordinateur et puis donc permettre la fabrication numérique et de la modéliser et de la rendre palpable, donc réelle. Guyaclic ne compte pas s'arrêter là. Un deuxième Fab Lab devrait voir le jour à Macouria au cours du second semestre de l'année. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.